Salut à tous, c'est Game of Mathieu, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous expliquerai comment faire une turbine et un bouclier anti-zombie. Et au passage vous montrer toutes les pièces qu'il faut pour le bus. Donc on va commencer la partie. Je bute les 3 zombies qui sont là. Voilà le dernier. Après, on prend le mannequin. Première pièce pour la turbine. On va crafter. Ensuite, on prend le ventilateur qui est sur la chaise. On va crafter. Et ensuite, juste en dessous des téléphones, il y a une pièce. Voilà, comme ça, vous la prenez. On bute 2-3 zombies au passage. Et on va crafter. Après, cette turbine elle vous servira à ouvrir des portes qui nécessitent de l'énergie. Donc voilà, on la place dans la porte. Elle s'ouvre. Là, vous avez trouvé la première pièce du bus. Donc là, c'est un truc que vous mettez sur le plafond du bus, qui permet d'aller sur le toit. Donc, voilà, on ouvre la deuxième porte pour aller au bus. Voilà, nickel. On va dans le bus. Je vais prendre le petit B23R qui est sur le plafond. Là, vous mettez le truc que vous avez pris. Voilà, je vais aller sur le bus pour voir. Ça, il y a une belle vue de là-haut. Donc voilà, vous butez des zombies au passage. Le bus ne devrait pas tarder à démarrer. Voilà, il démarre. Donc après on va aller sur le diner. Donc on va aller faire le bouclier anti-zombie et continuer les pièces du bus. Donc petite précision, cette vidéo est principalement pour les débutants, parce que ceux qui connaissent bien le jeu normalement devraient savoir ça, c'est les bases. Donc la turbine et le bouclier anti-zombie et les pièces sur le bus. Donc on va attendre gentiment. Là dans le tunnel où c'est qu'on est, il y a une pièce qui va nous servir, mais dans une prochaine vidéo, qui va nous permettre de faire l'arme secrète. Donc il y a une pièce dans le tunnel. On verra ça dans une prochaine vidéo. Essayez de faire pas mal de points comme ça, dès que vous arrivez au Dinners, vous pouvez ouvrir les deux portes qu'il y a pour aller chercher les autres pièces. Donc voilà, on va arriver là. Voilà, on est arrivé. Donc vous allez sur la porte tout droit, vous l'ouvrez et là vous allez trouver une espèce de portière qui est soit sur la voiture, soit sur l'établi, elle est là, ou alors là sur le côté du mur. Donc on va crafter. On va crafter. Voilà. Après on va aller chercher le diable. Alors le diable il se situe dans le restaurant, donc pareil vous ouvrez la porte. Soit il se situe ici, soit il se situe là. Mais là il va se situer ici. Donc on le prend, on va les crafter. Ah oui, au passage la turbine, avec la turbine vous pouvez allumer les atouts, c'est pas mal. Donc encore une fois on va crafter. Donc voilà, le bouclier zombie et anti-zombie est prêt. Donc vous pouvez vous en servir contre les zombies. Donc là on va chercher la deuxième pièce du bus. Donc dans la petite remise là-bas, prenez votre turbine, vous ouvrez la porte. Ah merde, là, bah, y est pas. Ah bah sur ce coup là y est pas. Donc normalement vous auriez dû avoir la pièce qui va à l'avant du bus, comme sur les trains, tout juste à l'avant. Donc on va aller à la ferme. On va fermer la porte. Allez, démarre.
Donc voilà. C'est bon, on va démarrer. Allez, go. Donc à la ferme, on va y trouver la troisième pièce pour le bus. Et d'autres pièces, mais pareil, on verra ça dans une prochaine vidéo. Où ça sera, on utilisera ces pièces là qu'on trouvera à la ferme pour utiliser, pour fabriquer plutôt une tourelle automatique. Donc on va aller chercher cette pièce. Il n'y a pas de zombies, c'est bizarre. Il devrait pas tarder à arriver. Non, toujours pas. Bon, on est arrivé, voilà. Donc, pareil, là, il vous faut assez de points pour ouvrir la porte. Donc, vous allez tout droit, derrière le tracteur, l'espèce de... Non, un camion plutôt. Vous ouvrez la porte. Et là, vous trouvez l'échelle. Donc, sur les trois objets, c'est complètement aléatoire. Donc, vous pouvez vous retrouver avec l'échelle à la première map, voilà. Donc, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Elle m'a demandé quand même un petit peu d'effort parce que j'ai eu quelques problèmes pour filmer. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Donc là, je bute 2-3 zombies au passage. Et vu que j'ai plus de balles, ça commence à me faire chier. Et je me barre. Allez, Taïo. Salut.